C'est déprimant, hein, franchement, avec ce temps pourri en plus. Allez, rentrez, venez! Vous allez déprimer encore plus! Eh oui, parce qu'aujourd'hui, on va jouer au jeu vidéo le plus déprimant de tous les temps. Ça s'appelle The Binding of Isaac Rebirth. Parce qu'il est renaît. C'est un remake, en fait, d'un vieux jeu qui était à l'origine sur PC, qui était ce qu'on pouvait le trouver sur... c'était un jeu Flash, hein, un truc tout simple. Et ils l'ont sorti, figurez-vous, sur la Wii! La Wii U! C'est un peu... On a l'impression d'être revenu au temps de Conquer Bad Fur Day, vous voyez, où il y avait un jeu avec un personnage vraiment méchant, vraiment pas sympa, dans l'univers de Nintendo, qui est si guilleret, si mignon d'habitude. Et ben là, bim, rebelote. Et ben vous savez quoi, ça fait du bien de trouver ça sur la console de Nintendo, un jeu un peu déprimant, un peu noir, un peu à la Tim Burton, etc. Vraiment un jeu qui va vous foutre le moral à zéro. Regardez, rien que l'image d'intro, c'est déjà assez fabuleux, et vous allez voir que la petite histoire qu'on nous raconte est quand même bien barrée et bien déprimante, comme tout le jeu d'ailleurs. N'empêche qu'on l'aime bien quand même. Regardez, les enfants, barrez-vous, allez vous coucher, parce que franchement, c'est juste l'enfer. Je crois pas que ce soit 18+ ce jeu, mais il devrait. Regardez bien, c'est ce petit Isaac qui vit avec sa maman dans une petite maison. Il fait ses petits coloriages, drawing pictures and playing with his toys as his mom watches Christian broadcasts, pendant que sa maman regarde la télé, et surtout les évangélistes à la télé. And they were both happy. Ils étaient contents. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. Il y a Dieu qui parle à sa mère et qui lui dit que son fils a été corrompu par le péché. Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that. Alors, lui confie ses jeux, à commencer par sa Game Boy. Vous avez vu le petit clavier, vous avez vu aussi la petite bite de Isaac qui pendouille au milieu. Notre passage. Still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. Il fallait qu'il confesse ses péchés, qu'on l'enferme loin de toutes les tentations du monde. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked. Alors, elle l'a enfermé dans son petit champ. The evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked. Mais ça suffit pas. But I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing. Pour me prouver ta foi, je vais te demander un dernier truc. Yes, Lord, anything. Oui, mon Seigneur, tout ce que vous voudrez. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Je voudrais un sacrifice. Isaac will be this sacrifice. Go into his room. Elle va vouloir qu'on lui sacrifie son bébé, hein, mais dites donc. Hein, la religion, toujours dit que c'était des attrape-gogo, quelles que soient les religions d'ailleurs. Et une preuve de plus, voilà où on en vient quand on croit à des conneries. Donc elle va aller assassiner son enfant qui évidemment va essayer de se planquer. Donc il se barricade, mais vous voyez, c'est un petit côté Shining, planqué derrière la porte. Il tremblote. Scrambling around this room to find a hiding place. Comme une chambre avec des barreaux. Hein. Mais il a trouvé une issue, il y a heureusement une petite trappe qui mène au sous-sol de sa maison. Just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Et le voilà en dessous, dans le sous-sol, à essayer de s'en sortir et de survivre. Voilà, j'ai vraiment laissé durer pour que vous voyez un peu, ça pose l'ambiance directement. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est un jeu procédural, c'est-à-dire que chaque nouveau niveau va se constituer devant nos yeux éblouis. Donc là, je vais faire un nouveau niveau. Je ne l'aurais jamais vu, je vais le découvrir avec vous, et c'est ce qui fait le charme de ce truc. Donc je peux choisir entre Isaac, au début j'ai que Isaac, et après on peut débloquer d'autres personnages, comme Judas, Ève, Samson, le petit chat Hazel ou Lazarus. J'aime bien Lazarus parce qu'il peut ressusciter. Mais on va commencer avec Isaac au début, et puis on va se lancer dans un niveau. Donc là, il y a un niveau qui a été créé à partir de lettres qui apparaissent d'ailleurs sur le côté. Je vous fais voir. Vous voyez là, 6WRV1M11, c'est le niveau auquel je vais jouer. Vous pouvez le noter chez vous si vous voulez jouer le même niveau que moi. Vous recopiez ça. On peut aussi créer carrément. Enfin, on peut. J'allais dire, on peut créer des niveaux comme dans Worms. Non, c'est pas vrai. En fait, il faut récupérer l'immatriculation d'un niveau pour pouvoir le refaire. Autrement, une fois que c'est fini, le niveau disparaît et la mort est permanente dans ce jeu. Donc, vous voyez, j'ai trois petits cœurs. J'ai ce petit bonhomme tout nu qui pleure toutes les larmes de son corps. Vous voyez, ça, c'est des larmes. Voilà. Et qui se retrouve face à des portes. Donc, ça, c'est une porte avec des dents. Si je la franchis, je vais perdre un demi-cœur. Et ben, je vais y aller quand même parce que j'ai peur de rien. Voilà. Et derrière, il y a un coffre avec des saloperies d'araignées dedans. Bah merci, moi qui croyais que j'allais récupérer un truc sympa, c'est pas vraiment le cas. Donc je vais les arroser de mes larmes pour essayer de m'en débarrasser.
Voilà. Et ça m'aura apporté rien du tout. C'est vraiment... C'était donc un beau piège à con. Je suis tombé dedans tout de suite, mais il n'y avait pas moyen de savoir autrement qu'en y allant. Donc là, je repasse la porte et je vais me remanger un petit cœur en moins. Me voilà juste avec deux cœurs. Les portes dorées, par contre, c'est mieux. C'est toujours des trucs plus sympas, comme des pièces et des bonus. Les bonus, on ne sait jamais trop ce que ça va faire. Le Holy Mantle, c'est un bouclier visible. Je découvre, c'est la première fois que je l'ai. Ça va changer à chaque fois. Et voilà que je vais affronter des bébés tout nus avec les joues rouges et visiblement très énervé. Donc comment ça se passe pour le maniement? J'ai évidemment un stick pour me déplacer et l'autre stick pour tirer dans la direction que j'indique. Donc je peux complètement reculer tout en tirant derrière moi. Vous voyez, je décapite ces petits bébés qui se retrouvent avec juste le corps qui continuait à gigoter. Et vraiment, je pense que les créateurs de jeu étaient complètement barrés. Et j'imagine sacrément déprimés pour arriver à un truc comme ça. Voilà. Et pourtant, malgré toute la déprime, moi je suis pourtant plutôt un garçon joyeux dans la vie évidemment, j'aime bien ce jeu. Je le trouve complètement barré et complètement surprenant. Donc ça peut paraître bizarre. Vous me direz ce que vous en pensez à la fin de ce chez Marcus, mais n'empêche qu'une fois qu'on a commencé, on a du mal à pas relancer une partie pour redécouvrir de nouvelles choses. Là, vous voyez qu'il faut une clé, et pour le moment, je n'ai pas de clé. Mon inventaire est là, sur le Wii U Gamepad, mais je peux aussi le faire basculer à l'écran. Je ne sais plus avec quelle touche, ça doit être là. Voilà, là, l'inventaire apparaît à l'écran, et là, j'ai la même chose sur l'écran et sur le Wii U Gamepad. Pourquoi le Wii U Gamepad ne sert pas à grand-chose, comme d'habitude. Mais bon, pour une fois qu'on a un jeu un peu trash, il faut en profiter. Donc, vous voyez en haut à droite, le plan du niveau qui s'affiche. Donc, je n'ai pas de clé. J'ai une bombe, mais j'ai pas de clé. Je peux pas faire sauter les portes avec des bombes. Donc, je vais être obligé de continuer. Bah oui, sauf que j'ai pas de clé, j'ai pas de clé. Eh les gars, je fais quoi? J'ai oublié une... Ah, mais si, il y a une porte là-haut que je n'ai pas explorée. Voilà, je me disais, c'est pas possible que ça finisse comme ça. Donc là, je ne sais pas, on dirait des requins qui nagent dans le caca. Enfin, c'est très pipi-caca, cette histoire. Les mecs étaient vraiment complètement obsédés par des trucs d'enfants de 4 ans. Leur pipi, leur caca et des requins, voilà. Donc vous voyez que les portes sont fermées derrière moi et dès que j'ai abattu tous les monstres du niveau, les portes s'ouvrent à nouveau. Ah, un coffre. J'espère qu'il y a une clé là-dedans. Alors, je peux éteindre avec mes larmes les petites flammes, ça peut servir, mais des fois pas, là ça sert à rien. Là, je vais détruire ce caca, ce qui fait que j'ai accès à ce coffre, mais il faudrait une clé pour ouvrir ce coffre. Et j'ai toujours pas de clé. Donc, je vais continuer. On va aller par là. Qu'est-ce que c'est ça, une mouche à merde? Je ne sais pas. Alors, avec un cœur, je vais pas aller loin. Là, une pièce, ça ne me servirait pas à grand-chose. Bon, bah, j'ai pas tellement le choix, les amis. Je pourrais faire péter ces rochers avec une bombe, mais ça me ferait récupérer une autre bombe, ça sert à rien. Je vais donc aller affronter le boss de fin de niveau avec un seul cœur. Allez, et c'est Monstro. Pas de chance. Monstro a des dents pourries. Il me saute dessus déjà d'entrée directe. Apparemment, j'ai bien esquivé. Donc, il y a un petit côté shoot them up avec une hitbox qui est assez... Alors ça fait pas tout le corps du personnage, là vous avez vu je suis passé à travers alors que j'étais quand même en plein dedans. Lightbox en gros c'est autour de son œil si j'ai bien compris. Voilà, donc ce qui est assez rigolo c'est comme tout est créé de manière assez aléatoire, il se passe des choses assez curieuses. Je vais peut-être lui lâcher une petite bombe. Ah bah voilà, ça a pété à côté, dommage. Il se passe des choses que parfois même les programmeurs n'ont pas prévues. comment, voilà. Donc je suis mort, j'ai été tué, c'est dans mon petit journal, par cette chose qui fait quand même un petit peu flipper. Et j'avais trouvé un cool stuff, c'est un bouclier, mais il n'était pas très efficace. Alors j'y retourne. Encore une fois, la mort est permanente, donc tant que je n'aurais pas franchi ce niveau, je ne pourrais pas aller plus loin. Et le niveau, bien sûr, a été réorganisé. Vous voyez que les portes ne sont pas du tout disposées comme elles l'étaient tout à l'heure. Ah, une araignée. La Spider-Bite. Alors, c'est pas aussi dégueulasse que ça en a l'air. C'est Spider-Bite, c'est-à-dire une morsure d'araignée. Je ne sais pas, ça peut... Déjà, j'ai une tumeur sur la tête. Et ça peut améliorer, par exemple, la puissance de mon tir ou des choses comme ça. On sait jamais, en fait, quand on trouve un truc, ce que ça fait. On le découvre au fur et à mesure. Oh là là, je suis mauvais, là. On va dire que je suis attaqué par à la fois des araignées et des mouches à merde. Pas vide, il faut que... Oh là là là, ouais, je vais pas faire long feu dans ce niveau-là. Alors vous voyez, par exemple, vous pouvez avoir des larmes qui attendrissent l'adversaire. Donc, genre, une larme sur 10, c'est une larme rose
qui permet... Oh mais non, je suis con. Qui permet de retourner un adversaire contre ses coéquipiers, par exemple. Donc voilà. Bon, là, j'étais nul. Il faut que je sois un peu plus concentré. Pourtant, ça partait bien. Alors là, quelques mouches à merde. Ça va pas être trop compliqué. Et au milieu, on dirait bien un baril de TNT. Au milieu, ben, vous ne rêvez pas, ce sont bien des gros caca. A priori, ah, j'ai récupéré une bombe. Si je fais péter la TNT, est-ce qu'il se passe quelque chose? Ouais, ça fait péter les caca. J'ai conscience hein, de ce que je dis. Mais... Voilà. Ce caca-là est visiblement invincible. Ah non, faut le prendre dans le bon sens. Vous voyez, toutes les règles sont à prendre au fur et à mesure. Assez mystérieux. Mais complètement barré. Et du coup, c'est ce qui fait son charme. Enfin, moi, j'ai trouvé, en tout cas. Ah, une flèche. Qu'est-ce que c'est? Les flèches de Cupidon, ce sont des... Ah, j'ai une petite... Ah, très bien. J'ai une petite plume sur la tête, comme un Indien. Et j'ai des flèches de Cupidon. Très bien. On va voir si c'est efficace contre ces choses. Ils sont visiblement assez grasses. Ouais, ça a l'air assez efficace. Parce que j'ai réussi à me débarrasser des deux. Il me reste deux bombes. Est-ce que ça vaut le coup? Ouais, je vais peut-être faire péter ça. Voilà, en espérant récupérer les deux autres bombes. Ah non, j'en récupère qu'une. Bon, j'aurais tenté le coup. Hein. J'aurais tenté le coup. Et on va explorer une autre partie. Sauf que j'ai toujours pas de clé. Alors, où est-ce que je ne suis pas allé encore? Là, j'en viens. Là, j'en viens. Je vois pas de sortie. Ah bah oui, j'ai pas fait en bas, d'accord. Ah, encore des mouches à merde qui se mettent en escadrille pour, pour me sauter dessus, c'est pas très sympa. Donc il y a un côté shooter, il y a un côté roguelike, un peu à la Zelda, on va se balader de pièce en pièce, en essayant d'éviter les dangers, de se débarrasser de tout ce qui peut vous nuire, comme ces saletés d'araignées. C'est bien de les esquiver. Alors voilà, pas du tout. Une. Oh là, elle se rapproche dangereusement. Ah, une clé. Super. Un coffre. Est-ce que ça vaut le coup? Alors derrière, regardez, c'est l'antre du monstre. Là, c'est le boss de fin de niveau. Est-ce que ça vaut le coup? Allez, on va tenter. J'ai encore deux bombes, donc je vais essayer d'exploser ces rochers. Et je récupère deux bombes. Non! Est-ce que ça ne va pas m'exploser à la gueule? Mais si! C'est juste dégueulasse! C'est juste dégueulasse ce qu'ils ont fait. J'ai encore une clé et il y avait une porte que j'avais pas ouverte tout à l'heure. Alors, je vais y retourner. Il me semble qu'elle était en haut. Parce qu'avant, on allait me taper le boss de fin de niveau. Ah, voilà. Avec de l'argent, je pourrais acheter quelques trucs. Mais je n'ai pas assez d'argent. Bon, bah tant pis. On va aller affronter le boss comme ça. Vous avez vu cette ambiance glauque? Je vous avais promis de la déprime. Je n'ai pas menti. Mais voilà, je me souviens d'un jeu il y a très longtemps, c'était avec Yoda, c'était un jeu de Star Wars. Et c'était les marais de Yoda, et à chaque fois, les marais se recomposaient de manière aléatoire. C'était un petit jeu presque infini, quoi. Et là, c'est un peu la même idée. Ah, voilà, un vilain boss de fin de niveau, mais je devrais peut-être pouvoir arriver à le maintenir à distance, parce qu'il va un peu moins vite que moi, a priori. Donc vous voyez évidemment sa jauge de vie en haut. Ah, ils sont deux doublés, ok. Ben, on va dire un moins. Alors vous avez vu que la portée de mon tir aussi est pas non plus... ça s'arrête au bout d'un moment, là. J'ai une portée qui fait à peu près la moitié de l'écran. Il y a moyen de récupérer des bonus qui vous donnent une portée un peu plus vaste. Ah, ça y est. Donc je vais récupérer un demi-petit cœur et un demi-petit cœur et une pilule qui parle. La pilule de caféine. Speed up plus size down. Ah, ça veut dire que ça devrait me ralentir et me rapidifier. Me rendre plus rapide. Très bien. Donc regardez, j'attaque le deuxième sous-sol. Vous avez vu qu'il y en a encore trois à se taper. Et là, il fait un petit cauchemar avec les gens qui lui chient dessus. C'est vraiment très bizarre. Il fait des cauchemars où il rêve qu'on lui enlève son pantalon dans la cour de récré ou qu'il est aux toilettes et qu'il n'y a plus de papier. C'est vraiment terrible. Voilà. Donc, but du jeu, arriver à finir un niveau. Et là, je vais me taper lustre. Alors voilà, j'utilise. Je vais utiliser le... Ouais, j'ai lâché une petite bombe. Voilà, là, lui, il va vite.
J'ai pas réussi à utiliser le truc qui m'aurait pourtant bien aidé. Oh. Il va trop vite pour moi. Oh la vache, oh la vache, il m'a coincé. Oh la vache. Eh ben c'est mort, c'est mort. Donc je recommence. Vous voyez, c'est fou quand même, ce genre de truc. J'aurais peut-être dû prendre Lazarus cette fois. Comme ça, j'aurais eu une vie en plus, ça m'aurait peut-être un peu aidé. Qu'on est reparti, il y a des musiques assez sinistres. On se croirait... C'est vraiment une musique d'années 80, on dirait les films de John Carpenter ou ce genre de truc. Je trouve ça assez bien foutu, finalement, malgré la simplicité du truc. Une seule mouche à mer, on trouve ça un peu bizarre. Ah voilà, je dédouble, me dis aussi. Ah, là je suis en pleine forme. Je peux aller me friter le monstre tout de suite, allez j'y vais. Non, je vais peut-être aller voir s'il n'y a pas quand même un truc à récupérer. Parce qu'évidemment, plus on va avancer, plus ça va être chaud. Donc j'ai intérêt à arriver au boss de fin de niveau en forme. Quoi. Alors oui, je peux pas tirer en diagonale. On ne peut tirer que à droite, à gauche, en haut, en bas. Vache. Voilà, bien. Vachement prêt. Allez, le dernier. Ah, c'est tendu. Ah, une clé. Super, je vais faire le tour. Pas gaspiller une bombe pour ça, ce serait dommage. Voilà. Les clés peuvent servir pour les autres niveaux d'ailleurs. Ah, un œil. Le Polyphemus, des méga larmes. Oh oui, génial. Je tire des grosses larmes énormes. Très bien. Par contre, la cadence de tir, c'est pas au top. Ok, très bien. Et je sais pas combien de dizaines, ça doit peut-être même être des centaines de bonus dans ce genre-là. Des trucs qu'on découvre au fur et à mesure. Quoi, ce feu me tire dessus? C'est la première fois qu'un feu me tire dessus. J'ai pas joué beaucoup non plus, mais à chaque fois que j'ai joué, j'ai toujours découvert des trucs hallucinants. Allez, puisque j'ai une clé, j'en profite pour aller ouvrir cette porte. Bah voilà, qui me propose juste d'acheter des choses, mais j'ai pas d'argent. Ah, ça, c'est dommage, c'est dommage. Alors tant pis, je vais aller affronter devant vos yeux éblouis le boss de fin de niveau. Encore Larry Junior. Très bien. Ah, mais ils sont trois cette fois! Oh la vache! Ceci dit, mes grosses larmes sont très efficaces. Hein. Oh, par contre, je bute sur les cacas et évidemment, ça m... oh là là, ça m'a déstabilisé. Ah, oh, c'est moche, c'est moche. Bon, je vais ressortir et on va prendre Lazarus pour que vous voyez comment ça se passe avec un autre personnage. J'ai débloqué aussi un petit chat qui vole. Je vais te faire le petit chat, Azazel, voilà. C'est un chat volant, donc lui survole les obstacles. C'est il ressemble à rien. On dirait un chanteur d'un groupe de J-pop. La coupe de cheveux. Et effectivement, il n'est pas très... J'ai des larmes magnétiques, c'est-à-dire j'ai un aimant sur le front. Par contre, j'arrive pas à tirer. Qu'est-ce que c'est? Je peux pas tirer. D'accord, donc ça veut dire que je vais pas pouvoir affronter les gens. Si c'est ça. Ah si, ça y est. Ok, je peux tirer, mais faut que ça se charge, faut que ça prenne... Je comprends pas. Faut que ça se charge un petit peu. Voilà, j'ai du vomi, mais faut que j'attende que ça se charge dans ma bouche. Ok, c'est dégueulasse. C'est bien ce que je disais. À mon avis, je vais pas aller très loin avec ce char. Surtout que la portée de son vomi n'est pas... Voilà. Bon, par contre, c'est efficace dans la puissance de feu. Ah, une petite cartouche de Game Boy, c'est plein de clins d'œil à des choses qu'on aime. Est-ce que je peux éteindre du feu avec du vomi? Oui, a priori. Ah! Depuis quand ce feu me tire dessus? Alors, cartouche de Game Boy, je m'en souviens. Ok. Oui, l'avantage de ce petit chaton, c'est que vous avez vu, j'ai survolé les obstacles. Ce qu'a priori ne peuvent pas faire les adversaires, en tout cas pas ceux qui volent.
Donc ça, ça peut être pas mal, ça peut être une bonne stratégie pour moi. J'ai récupéré un petit cœur en plus. Hop là. Et oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Une fois qu'on a compris le maniement et qu'on sait comment s'en servir, ça peut être un bon atout, ce petit chaton. Bon, bah là, mes cœurs sont au max, donc voilà. Je peux même pas récupérer cette pièce. Ah si, quand même. Les cœurs s'enfuient devant moi. L'amour se refuse à moi, c'est triste. Allez. Allez, petit chaton. Ah ouais, non, quand même bien efficace. Je sais pas ce qu'il a mangé, si c'était au piment ou quoi. Mais c'est quand même assez efficace. Voilà, je viens d'être transformé en je ne sais quoi. C'est Pac-Man et je mange des caca. Oh non, mais pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Incroyable ce jeu. Incroyable. Quand vous jouerez, vous allez évidemment pouvoir découvrir d'autres choses. Parce que franchement, c'est une surprise permanente. Et je trouve ça assez rigolo. C'est vraiment un jeu culte. Alors, faut le savoir, c'est très. Vraiment un truc de hipster. Hein. Tout le monde adore ça dans les milieux autorisés. Et je me disais, oh, c'est un truc de mec branché et tout. Mais honnêtement, j'ai vraiment passé des bons moments avec ce jeu. Il m'a surpris. C'est quand même pas tous les jours qu'un jeu vous surprend. Et rien pour ça, ça vaut le coup de l'essayer. Il coûte pas très très cher, une dizaine, une quinzaine d'euros, je me souviens plus du coup. Voilà, il est plutôt rigolo. Il est temps de vous dire au revoir les petits amis, mais si j'ai l'occasion de finir un boss de fin de niveau, je vais pas m'en priver. Voilà. J'arrive. Alors lui, je ne sais pas, il est ses frères jumeaux reliés par un cordon ombilical. Je veux même pas savoir en fait. Je veux pas. Ah, perdu un de mes cœurs, mais je me dis, ah, il reste plus que le petit, yes. Et j'ai trouvé les chaussures à talons de maman qui augmentent ma portée, alors peut-être la portée du tir, c'est ça? Essayons, ouais, vaguement. Allez, une dernière pièce. Alors regardez, petit cauchemar, on lui offre un cadeau et dedans il y a la perruque de sa mère. Oh. Ils vont vraiment pas bien les mecs, c'est pas possible. Allez, une dernière salle pour voir jusqu'à dedans. Bon, des mouches à merde, normal, rien que de plus normal. Et il y avait, je crois que j'ai aperçu, qu'est-ce que c'est? Attendez, il y a une pilule bizarre, des mauvais pets, c'est-à-dire une digestion difficile. Oh la vache. Vous voyez, c'est terrible, il est temps de vous dire au revoir et j'arrive pas à m'arrêter parce que j'ai... Et là, qu'est-ce que je récupère? L'anarchist cookbook, un truc pour fabriquer des bombes. Est-ce que ça change mon... Je ne sais pas. Ah, voilà, je lis le livre de l'anarchiste et je fabrique des bombes partout. Et du coup, je vais m'exploser moi-même. Bah voilà, bah ça fait une très belle fin. Voilà. Bon, c'était Binding of Isaac Rebirth. Je crois le jeu le plus bizarre que j'ai jamais testé dans un chez Marcus. Et pourtant, j'ai beaucoup joué à peine, croyez-moi. Voilà. Est-ce que ça vous aura plu? Tiens, donnez-moi votre avis sur Facebook, sur Twitter, je serais curieux de savoir. Est-ce que vous êtes fan de ce jeu, comme moi, ou pas? Est-ce que vous trouvez que c'est un truc un peu... un soufflé qui retombe un peu vite, etc. Voilà, en tout cas, moi, j'ai qu'une envie de retourner découvrir des trucs à la con. Et le fait que ce soit sur Wii U, une console bien propre d'habitude, bien comme il faut, ça fait plaisir, ça change. C'est bien, Wii U. Il faut que tu fasses des trucs dégueulasses de temps en temps. Comme ça, par exemple.